Bonjour à toutes et à tous, c'est Tuto Camille pour une nouvelle vidéo sur le chenil, cette fois sur les caniches toy. Alors là, ce chien, c'est... Alors, on va regarder tout de suite la description. Ce chien d'origine française a un poil bouclé qui est si doux qu'on le prendrait pour une peluche. Bon, c'est... Quel type de caniche toy? Oh, il y en a museau touffu, mais j'ai entendu et surprise, alors on va essayer museau touffu, hein. Alors voilà, on a un noir, un gris et un blanc plutôt. Alors on va commencer par le noir. Il est très mignon. Allez, dessin, dessin. Ah, il est super mignon. Oh, trop chou. Ah. Oh voilà, alors sans prix. 1580 €. Voilà, alors ensuite. Alors voilà. On va prendre celui-là. Orange plutôt. Personnellement, c'est mon préféré celui-là. Oh, il fait des échouilles. Personnellement, j'aime beaucoup. Ah si. Alors on va regarder son ventre. Ah mais il veut pas se mettre. Allez. Oh bon c'est pas grave. Je vous montrerai une autre fois. Moi les caniches c'est une de mes races préférées. Sur le dos. Oh mince c'est vrai. Pff, on est aux chenilles là. Bon, ensuite, voilà, on va pas tout faire. Donc, on va regarder, encore une fois, museau touffu. Alors, voilà. Bon, on n'a pas regardé quoi? On a regardé, alors, voilà, celui-là, on n'a pas regardé. Alors, voilà, assis. Voilà, pareil, ils sont tous trop mignons. On va re-regarder. Il a tout vu, alors voilà. Alors voilà, on a fait tout. Bon, déjà, il y a gris, crème, marron, noir. Un autre marron aussi. Et je... peut-être des autres couleurs, on va regarder. Hein. Voilà. Bon, alors vous n'hésitez pas à me laisser en commentaire votre couleur préférée de caniche ou... Voilà. Bon. Là, je suis toujours à museau touffu, hein. En fait, j'essaye de trouver des autres coloris, là, depuis tout à l'heure. Hein. Ah, voilà, j'ai trouvé un autre coloris. Alors, voilà, on a un petit blanc. Moi, perso, c'est ma couleur de chien préférée, le blanc. C'est vraiment trop mignon. Voilà. Alors, maintenant, on va essayer à museau tondu. Alors voilà, alors moi, bon, je préfère un peu à museau touffu parce que voilà, il y a une petite touffe au nez. Puis là, en fait, il a le nez, son nez là. Mais arrête de bouger, enfin. Alors là, voilà, il y a, normalement, il y a museau tendu et là, bah, museau tendu, en fait. Bon, c'est très bien aussi, hein. Bon, si vous voulez voir, il y a aussi un museau tendu. Un museau tendu, on va réessayer. Je vais vous montrer un peu. Parce qu'on peut, on peut voir, en fait, qu'il y en, par exemple, il y en a, ils ont des plus petites pattes. Il y en a, ils sont... Par exemple, lui, il est plus petit. Lui, il est plus petit que lui, ça se voit. Hein, voilà. Ensuite, bon, on va regarder les autres. Museau tendu. Alors, voilà, gris. Il est tombé. Voilà, gris, blanc. Je pense qu'il y a à peu près les mêmes coloris. Après, surprise. Alors là. Voilà. Alors là. Un peu. Regarde. Lui, un museau touffu. Mais c'est très original en fait. Parce que là, il a deux couleurs.
J'aime beaucoup, c'est original. Alors voilà, le prix change toujours pas, hein. 1580. Voilà. Bon, ok, je vais regarder surprise. Bon, si je devais choisir quand même entre touffu et tondu, bon. Ah, celui-là est trop mignon. Je prendrais touffu. Oh, il est trop mignon celui-là. Ça fait un peu, je trouve que ça fait un peu de tigre en fait. Un tigre noir, c'est trop mignon. Si j'en avais un, moi j'avais, je dis ça parce qu'en fait avant j'avais une amie qui avait un petit chiot comme ça, de la même couleur. Elle l'avait appelé tigre. Donc ça me faisait penser un peu à un tigre. Il est trop mignon avec sa petite queue. Vais le faire asseoir. Je vais essayer de le faire aller directement. Voilà. Voilà, un peu en dessous, hein. Là, il est blanc. Et là, il est noir. Mmh, trop mignon. Moi, par exemple, j'aime bien ça. Tout mignon. Bon, on a déjà vu. Alors voilà, bon, son oreille. Est-ce qu'on va réussir à voir son oreille? Je vais pas y arriver. Voilà. Surprise. Ouais, bon, on a déjà vu. Oh, attends. Surprise. Alors après, ah, celui-là on n'a pas vu. Alors voilà un gris, on voit avec sa petite moustache là, un peu plus blanc. Bon, allez, c'est très original, hein. Là on peut voir un peu bicolore en fait. Pareil pour ses pattes, c'est un peu blanc au niveau de là. Allez, alors voilà, assis, mort. Sur le dos. Voilà, alors bon, là je vais vous montrer juste un museau touffu, hein, pour faire un peu le bilan, hein. On va en prendre un au hasard. Allez hop, le gris, voilà. Donc allez, descend. Voilà, alors voilà, ça fait comme ça derrière. Bon voilà, dans surprise, vous avez plus bicolore, mieux entendu, sous-entendu, et les autres, c'est pareil. Bon bah voilà. Alors c'était Tuto Camille pour la spéciale série du chenil sur les canistas. Y'a plus. Bye!